Salut, salut la grande famille, c'est encore moi aussi. Bonjour. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une vidéo de Black Moto. Oui, Black Moto. Black Moto qui est en train de dire ses vérités. Des soi-disant des gens qui sont autour où ils étaient vraiment des PPACI qui disent eux sont babouistes. Oui, Jean Akoun, c'est lui qui a dit aux Ivoiriens, ceux qui suivent les opposants, surtout ceux qui sont opposants, pour dire ne travaillez pas avec Ado, boycottez le gouvernement de Ado. C'est pour cela des soi-disant, il y a un jeune qui a fait une vidéo ici pour dire non que oui. Alassane, tant d'Alassane, il n'y a pas des gens qui travaillent avec lui. Il n'y a pas un opposant qui travaille avec lui. Et je vous ai dit, c'est eux-mêmes qui ne veulent pas travailler avec Alassane. Voici encore une autre vidéo. Quand moi, je vous dis quelque chose, j'ai toujours des preuves et je vous montre pour que vous constatiez que la lutte que moi, je suis dedans là, c'est pour éclairer la vérité, c'est pour dire au monde entier, la jeunesse ivoirienne ne tombe plus dans les pastèques. Des gens qui passent leur temps à mentir, à dénigrer Alassane, à raconter des bêtises. Soyez attentifs. Oui, soyez attentifs pour mieux comprendre. Parce qu'il y a des gens qui sont là, eux, ils ont la grande gueule pour parler sur les réseaux sociaux, crier. Jean Koum, c'est lui qui a dit aux Ivoiriens, si tous les opposants ivoiriens pour dire ne travaillez pas avec Alassane. Eux, chez eux, si eux travaillaient avec Alassane, Jean Koum, Alassane, tous les projets qu'Alassane faisait là, c'est comme. Alassane ne pouvait rien faire parce que ils sont remplis d'intellectuels. Voici ça, voici la vraie version. C'est eux-mêmes qui ont motivé, qui ont dit aux gens ne travaillez pas avec Alassane et puis boycottez le gouvernement d'Alassane. Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas. Quand tu es honnête, quand tu fais vraie lutte et tu es là pour le peuple, là, Dieu me t'aide. Dieu me fait ton palabre. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui fait ton palabre. Dieu me fait ton palabre. Tout ce qu'ils ont planifié, si Ouattara, tout ce qu'ils ont planifié, les trucs négatifs, c'est en train de sortir un peu. Black Moto, merci beaucoup, mon respect. J'ai dit, moi, depuis fort longtemps, il te suivait. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à te suivre parce que tu es dans la vérité. Moi, j'étais connu en 2017-2018. C'est là, moi, j'étais connu. C'est là, j'ai commencé à te suivre. Tu es dans la vérité. Quand ça ne va pas, tu dis la vérité. C'est ça, on dit, un lutteur. Quand tu sais qu'ici ça ne va pas, viens dire aux Ivoiriens. Merci beaucoup. Vous-même, vous avez attendu. Vous avez bien attendu. Vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Voici Black Moto. Il va bien parler pour mieux vous expliquer. C'est les mêmes qui disent non que oui. Non, on n'a qu'à boycotter le gouvernement de Ouattara. Ne travaillez pas à Ouattara. Or, en coup même, là, son fils est commissaire. Son fils est commissaire, il travaille avec Alassane. Et c'est eux qui empêchent les enfants des autres ne travaillent pas avec Alassane. Quand on vous dit, des politiciens, là, on vous prend comme en bas de vos chaussures, en bas de leurs chaussures. Eux piétinent sur vous et vous êtes là, vous les suivez. Eux vous disent non que oui, ne travaillent pas avec l'opposition, ne travaillent pas avec Ouattara. Vous, mais vous avez vu Michel Gbagbo. Michel Gbagbo travaille à là. Il va bien expliquer encore. C'est des gens qui sont stupides. C'est eux qui les suivent matin, midi, soir. Mais ceux qui sont conscients, là, eux, ils regardent et puis ils disent, mais lui, là, franchement, les gars, c'est fou de nous. Hein. C'est ça. C'est ça, Black Moto va expliquer. Vous allez mieux comprendre. La jeunesse ivoirienne, s'il vous plaît, écoutez très bien ma vidéo. N'oubliez pas de partager, ça va arriver loin. On vous a blagué. Les opposants vous a blagué. Ne faites pas ça là pour Ouattara. Faites ça là. Ne faites pas ça là pour Ouattara. Boycotter, d'obéissance civile, couper tête des gens. Ils ont tout dit. Oh, à ce temps, les enfants sont là. Eux, ils travaillent avec Ouattara. Et vous, maintenant, vous êtes là, non? Oui, Ouattara, mais ils ne nous donnent pas boulot. Ouattara, mais ils ne donnent pas boulot aux jeunes. Ouattara, mais ne fait pas comme ça. Mais c'est qu'on vous a mis dans les oreilles là. C'est ça qui est dans vos têtes, dans vos cerveaux. C'est pour cela que vous ne pouvez pas s'approcher à Ouattara. Mais il faut être un idiot, il faut être bête. Oh. Avant de se comporter comme ça. La famille, voici la vidéo de Black Moto.
écoutez très bien la vidéo. S'il vous plaît, partagez cette vidéo-là, ça va arriver loin. Je pense que vos partages-là, ça peut interpeller, ça peut aider beaucoup de jeunesse à mieux comprendre. N'écoutez pas les politiciens. Les politiciens farfelus, les politiciens menteurs sont les vrais connards. Et c'est moi qui dis ça. Voici la vidéo. Merci pour leur lutte. Le président Laurent Gbagbo qui fait une interview dans laquelle il n'est même pas capable de dire merci à tous les résistants africains et tout qui ont fait la lutte pour lui pendant 10 ans. Ça, ça vous dit rien. Si on soulève ça encore là, il y en a qui vont dire, ouais, il a critiqué le président Laurent Gbagbo. Il a dit, hey, l'argent que vous me donnez là, ne me donnez plus. Ok? La paye que vous me donnez là, ne me donnez plus. Dernièrement là, il y a un exemple qui est très simple. Le fils de Laurent Akoune est décédé et tout, commissaire en Côte d'Ivoire. J'ai vu la rip. Simone Gbagbo s'est rendu et tout au domicile de Akoune. Moi-même, j'ai dit rip, paix à son âme. Et fortification et tout au président Laurent Akoune. Mais j'ai envie de poser une question. Donc, depuis Ado est venu au pouvoir, là, Laurent Akoune qui est dans le boycott actif, Laurent Akoune qui ne veut pas qu'on travaille avec Alassane Ouattara, lui, il a son fils qui était commissaire et tout sur Alassane Ouattara. Mais quand tu es commissaire sur Alassane Ouattara, là, le fils de Laurent Akoune, il prenait ses ordres de Laurent Akoune? Non. Le fils de Laurent Akoune, il prenait ses ordres et tout de général Kouyaté, du ministère de l'Intérieur, du ministère de la Défense, du ministère, etc. Donc, Laurent Akoune, qui demande qu'on boycotte et tout Alassane Ouattara, et qu'on ne travaille pas avec ce pouvoir, tout comme l'opposition. Lui, il a son enfant qui est commissaire sur Alassane Ouattara, qui est fonctionnaire. Quand on va vous demander, mais Michel Gbagbo, là, il a repris son travail, non? Il continue d'enseigner et tout à l'université, non? Mais on pourrait dire en solidarité et tout à ce qui arrive aux Ivoiriens, à son père, et à ce que lui-même, Michel Gbagbo, il a subi, il pourrait décider de ne pas travailler sous le pouvoir Ouattara. Mais lui, il est retourné au travail. Et il est payé et tout par le ministère de la fonction publique. Mais c'est les gens qui n'ont rien à voir avec le président Laurent Gbagbo, qui n'ont pas l'œil du président Laurent Gbagbo, qui n'ont jamais été vers la présidence, qui ne connaissent pas. Quand eux, ils travaillent à Ouattara, là, vous criez et tout que c'est des traites, c'est des traites, c'est des traites. Et ceux-là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Et ceux-là, qu'est-ce que vous faites d'eux? Vous pensez que nous, on est vraiment là pour vous, quoi? Mais vous êtes des vrais narvalos, hein, vous, là. Vous êtes des vrais plaisantés. Vous pensez qu'on est là pour vous? Et c'est la raison, là, quand on parle de ça aujourd'hui, oui, est-ce que c'est le moment? Moi, là, il n'y a pas de moment pour moi, ok? Je ne suis pas dans une tontine de lutte à quelqu'un. Voilà. Je ne suis pas parti faire une réunion des francs-maçons à quelqu'un. Il n'a rien à foutre. Ce qui me semble important à un moment donné et tout, je parle de ça. Tu es content, c'est comme ça. Tu n'es pas content, c'est comme ça. Dès qu'on dit, on va parler de ça, ou bloquer les gens. Le RDN n'a jamais bloqué les gens. Le RHDP n'a jamais bloqué les gens. Mais dès qu'on dit, on va parler de votre camp, de Nadi Bamba, de Asson Adou, de Demba Traoré, de Stéphane Kibré et de l'UNG, dès qu'on parle de vous, vous bloquez les gens. Nous avons compris depuis longtemps que l'ennemi et tout, ceux qui étaient venus et tout pour diviser la résistance, ceux qui étaient venus en tout cas pour diviser tout ce qu'on fait et tout pour libérer la Côte d'Ivoire, c'est vous. Nous on a compris ça. Nous on a compris. C'est les gens. Vous êtes en retard. Et tant que vous serez en retard là, ils vont toujours avoir une longueur d'avance. Parce qu'aujourd'hui sur la vidéo, je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais est-ce que tu as les preuves de ça? Mais voilà, est-ce que c'est comme si c'est avion-bateau, c'est bateau-avion? Moi, ils m'en tapent. Hein? Moi, les vraies informations. Voilà, il y a les vraies informations. En 2015, vous dites que le président a fingé sans voulu se présenter. Qui s'est présenté et tout face à Ouattara? J'ai des documents à la maison que le président a fingé sans m'a envoyé. Ok? Des documents et tout faits par le camp Asson Adou. Le candidat de l'opposition, là, FPI de Asson Adou, là, en 2015, il s'appelle Alphonse Douati. Les documents, là, dedans et tout, il y a la location de Sono. Comment ils vont faire la campagne électorale, les différents coins. Il y a tous les documents qui vont avec. Ok? Donc, c'est quand Fille Nguessa a vu ça, elle a dit, mais si elle veut se présenter, alors qu'ils me disent qu'elle veut me présenter, tout en oubliant le président Laurent Gbagbo, si eux-mêmes ils sont en train de se présenter, bah, dans ce cas, je me présente. Concernant Maître Abiba, soit c'est une menteuse, soit le président Laurent Gbagbo, il ment. Maître Abiba Touré dit, le président Laurent Gbagbo n'était pas concerné et tout par sa candidature. Ok? Elle a dit ça ici, vous tous avez vu. Dans l'interview du président Laurent Gbagbo, il dit que c'est lui-même qui a envoyé sa candidature.
Mais le vieux, si c'est toi-même qui as envoyé ta candidature, là, toi tu n'as pas pièce d'identité. Toi tu envoies ta candidature là, c'est pourquoi? Toi tu ne sais pas que quand on donne candidature, là, il faut avoir une pièce d'identité en cours de validité. Mais si toi tu as envoyé ta candidature, pourquoi tu n'as pas envoyé les jets qui va avec? Et ta caution, pourquoi tu n'as pas envoyé aussi? Donc arrêtez un peu de nous prendre pour. Je vous dis et je vous redis ici. Mon message ici aujourd'hui là, parce que j'ai plus de batterie et tout, donc je vais me déconnecter. J'aimerais dire simplement aux Ivoiriens, ne vous laissez pas manipuler. Le président Laurent Gbagbo, il est otage d'un certain nombre de personnes. Et ces personnes-là sont en ramification et tout avec le pouvoir Ouattara. Tant que vous n'avez pas à comprendre que ces personnes qui viennent de citer, Assou Andou, Nadi Bamba, Demba Traoré, etc., Stéphane Kipré, tous ceux qui ont détruit la résistance et qui continuent et tout de détruire l'union et tout de l'opposition, tant que vous n'avez pas compris que ceux-là, on doit les mettre de côté. Vous pensez qu'on doit avancer à tout le monde? Ce n'est pas parce qu'on est nombreux qu'on avance forcément. On peut être cinq, on peut en avance parce qu'on a les mêmes idées. Ok? Donc, tant que vous n'avez pas compris ça... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Black Moto, ce qu'il a dit dans la vidéo. Je pense que des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens, qui sont maintenant à mesure, qui sont à mesure de voter, si toutes les élections 2025, s'il vous plaît, il est temps de réfléchir très bien. On fait ces vidéos, c'est pour vous interpeller, c'est pour vous dire, faisons très attention. Oui, voici moi le combat que je mène. Les gars font les vidéos, moi je prends les vidéos et je viens décortiquer pour mieux vous expliquer. Si la toile ici, le mensonge arrive très vite. Et le mensonge arrive très vite, très loin. Mais la vérité là, elle est lente. Oui, la vérité est lente. Mais tôt ou tard, la vérité va arriver et va dépasser le mensonge. Vous comprenez? Les mêmes qui disaient des dit non que oui, c'est eux-mêmes là, on les a dit passer le message. Boycotter, d'obéissance civile, faites ça là, faites ceci, faites cela. Vous-même, vous avez vu, vous avez attendu ce qu'il a dit. Que Akoun, tu étais près de Gbagbo. Ils ont dit aux jeunes et ils ont dit aux gens, ne travaille pas avec Ouattara. Ne travaille pas avec Ouattara. Boycottez le pouvoir de Ouattara. Aujourd'hui, voici ça, ce qui sont là dit. Si tous les cyber-activistes, ce qui sont là dit. Je pense que vous ne retenez pas quelque chose de bon dedans. Vous retenez, c'est Dieu même qui est en train de faire le combat de Ouattara. Tout ce que les gens ont planifié contre Ouattara, comme toutes les choses qui sont négatives, aujourd'hui c'est en train de sortir. C'est en train de sortir. C'est pour vous dire non que oui, quand tu fais du mal à quelqu'un et tu te caches pour lui faire du mal, là, n'oublie pas, le karma va te prendre. C'est ce karma-là qui est en train de les fatiguer matin, midi, soir. Et ce karma-là, tu es en train de fatiguer matin, midi, soir. Qui sont là matin, oui, on doit faire ça là, on doit faire ceci, on doit faire cela. Excusez-moi, il y a quelqu'un, tu m'as envoyé un truc de passeport, c'est quoi ça? Passeport sénégalais? Je ne sais pas. Je sais pas. Excusez-moi. Bah, salut frère, comment tu vas? Bon, je sais pas. J'ai reçu, tu m'as envoyé un passeport sénégalais là. Je sais pas, c'est pourquoi ou juste. Parce que moi, je ne. Bon, je sais pas. Je sais pas pourquoi tu m'as envoyé la photo du passeport là. Je sais pas si tu peux me répondre. Donc, vous comprenez la famille? C'est des gens, c'est les vidéomans qui passent leur temps parce qu'on les a dit. Dites ça là, dites ça là, dites ça là. Parce que vous êtes influenceurs, vous êtes les porteurs des messages, les messagers. Et eux viennent vous mentir, eux viennent vous parler. Non, ne travaille pas à Ouattara. Ouattara, c'est ici. Ouattara, il est malheur de la Côte d'Ivoire. Ouattara empêche des gens de travailler avec lui. Ouattara, c'est ici. Ouattara, cela. Voici aujourd'hui. Voici aujourd'hui, tu es en train de sortir. Tout en train de sortir. Quand même, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte.
Vous avez planifié, dit des choses, vraiment, si Ouattara, aujourd'hui, c'est en train de sortir. Ah, quand il fait qu'on m'appelle beaucoup, mais en train de désactiver ma connexion. Non, il remet ma connexion, là, sinon ça s'est coupé. Vous comprenez? Tout ce qu'ils ont dit, si Ouattara, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, tout en train de sortir. Peuple ivoirien, s'il vous plaît, 2025 est proche. C'est dans 2 ans. 2 ans. Et quand il dit 2 ans, ça, il nous reste 26 mois. 26 mois. Il nous reste 26 mois. On rentre dans 2025. Ce n'est pas du jeu. Il est temps de prêter l'oreille pour mieux comprendre où est la vérité. Parce que c'est soi-disant ceux qui empêchent l'évolution de la Côte d'Ivoire, c'est les opposants ivoiriens. C'est les opposants ivoiriens qui ne veulent pas voir les Ivoiriens soient heureux. Les Ivoiriens soient vraiment soient satisfaits de leur pays. Mais jamais. Les opposants sont là. Parce qu'eux-mêmes, ils ont géré le pays. Ils n'ont rien foutu. Quand ils étaient au pouvoir, ils n'ont rien foutu. Donc, quand ils voient Ouattara en train de travailler comme ça, ça les fait mal. Quand on voit le bilan de Ouattara et on a déjà vu leur bilan là, ça les fait tellement mal. Écoute, les gars veulent renverser Ouattara. Mais Dieu même avec Ouattara, tout ce que les gars planifient comme plan là, ça échoue. Tout ce qu'eux planifient comme ce qui est négatif contre Ouattara là, ça échoue. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité. Comment tu vas me dire, moi je me lève comme ça et puis il dit, faut pas on va travailler avec telle personne. Hein. J'ai dit aux gens, vous ne travaillez pas avec ce monsieur. Hein. Oh, à ce temps, moi mon enfant en train de travailler, c'est lui-même qui dit ne travaille pas avec lui là. Mon enfant en train de travailler avec lui. Mon enfant est commissaire. Mais c'était mieux de dire à mon enfant, il ne faut pas travailler avec Alassane. Voici Michel Gbagbo, le gars a bien dit. Black Moto a bien dit. Voici Michel Gbagbo. Michel Gbagbo a repris encore l'enseignement. Mais attends. Vous comprenez que vous les Ivoiriens qui suivez cela, vous êtes bêtes, non? Vous êtes vraiment bêtes, non? On vous dit non, ne travaillez pas avec ce monsieur. Et c'est eux-mêmes, les enfants, travaillent avec ce monsieur-là. Mais en retour, vous êtes bêtes. Quand on vous dit vous êtes bêtes, vous pensez qu'on vous insulte. Oh, c'est la vérité. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. C'est ça qui est vos défauts. Vous ne voulez pas écouter la vérité. Sinon, la vérité est que moi, quelqu'un ne peut pas m'empêcher de dire qu'il ne faut pas y travailler avec telle personne. Et je constate que toi, tu travailles avec lui. La personne que tu dis qu'il ne faut pas y travailler, lui, là, je vois ton enfant en train de travailler. Mais si tu n'étais pas lapidaire, caillou, quoi. Et puis, si je vais te lapider caillou, ce n'est pas la journée. Hein. Je me cache la nuit comme ça. Tôt ou tard, la nuit, il va te croiser. Et il prend caillou. À cause de toi, il me promène les cailloux. Elle lance bien tout ça. Là. Ou si il n'y a pas caillou, il met billet et puis il met lance bien. Le jeu, il te voit dans le noir seulement là. Non, non. Il était visé même. Bah, il était méchant. Il était méchant. Vous voyez? Quand on vous dit, faites très attention. Faites très attention. Ne suivez pas des gens comme des moutons. Quand vous les suivez, quand vous suivez les opposants comme les moutons là, mais ils sont obligés de mettre code sur vos coups et puis vous tirez seulement. C'est qu'ils vous disent et puis vous acceptez comme ça. Yeah. On vous a mis dans bouteille ou bien? On vous a mis dans bouteille ou bien? Il ne peut pas accepter. Attends. Ivoirien qui moi, je connais là, c'est les Ivoiriens comme ça. Type. Oh. Et je vois des gens sont agités. Babou, babou, babou. Babou est venu à Babou a fait quoi? Il a bien dit. Hein. Quand Babou est venu à Babou a dit quoi? Babou n'a même pas. Moi, je vous ai toujours dit. Quand moi, je parle là, après eux-mêmes là, dans les camps, les gars viennent témoigner ça. Moi, je vous ai dit, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, là, il n'a même pas remercié des gens qui l'ont soutenu. Ça, c'est un. Il n'a même pas, vraiment, il ne s'est pas excusé près des Ivoiriens pour dire c'est à cause de moi ou c'est à cause de tant, tant, tant. Il y a eu des morts, il y a eu des massacres à Abidjan. Il n'a pas fait ça. Gbagbo n'a même pas parlé de tel pour dire Yako. La seule chose que Gbagbo a dit, remercier ma femme, là. Remercier ma femme Nandi Baba, quand j'étais en prison, c'est elle qui m'a nourri, c'est elle qui a fait ça là. Attends. Attends. Les Ivoiriens sont morts parce que. Donc, c'est dit, ceux qui sont morts là, ils sont morts basan quoi. Ils sont morts cadeau comme ça. Ceux qui sont morts là, ils sont morts cadeau comme ça. Parce que Babou est joli. L'enfer là quoi. L'enfer là, il y a d'autres.
y a d'autres, mais on les attend là-bas hein, pour les chicoter. L'enfer est là, là. Ce que vous êtes fous, les charniers des mois qui sont passés en Côte d'Ivoire. Et les gars vous attendent là-bas. Oh. Demandez pardon. Et si les parents vont oublier pour demander pardon à Et l'Ivoire, tu peux être bête comme ça. Tu peux être vraiment con comme ça. Quelqu'un qui est en train de développer ton pays. Même s'ils t'ont menti, s'ils t'ont dit lui là, il n'est pas, lui, il n'est pas ivoirien, ou soit il ne peut pas arranger ton pays, il ne peut pas développer ton pays. Nous tous, pendant 12 ans, on a vu. Et on constate que ce gars-là, vraiment, il est meilleur que ceux-mêmes qui ont passé avant lui. Mais toi aussi, il faut réfléchir. Il faut réfléchir quand même. Ah! Il faut réfléchir quand même. Tu as dit, attends. Vraiment, c'est qui ceux-là ont dit là? Non, vraiment. André, ils ont fait erreur. Ou soit c'est moi, ils voient mal. C'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Mais tu peux pas être là. Et puis tu es là. On te téléguide, on te guide seulement. Toi, ton cerveau, là, tu es né pour qu'on te téléguide. Toi, tu peux pas réfléchir. Tu peux pas t'asseoir et puis tu vas réfléchir. Les enfants travaillent avec Alassane, avec le gouvernement. Et toi, tu restes à la maison et puis c'est toi qui es là. Alassane est méchant, le gouvernement ivoirien sont méchants. Hein. Oui, à leur temps là même, là, eux-mêmes ne nous donnent pas boulot. Si quand ils t'envoient au travail, c'est des Ouattara, c'est des Siriki, c'est Kone. Mais c'est ça que vous mettez dans votre. Parce que ce que vous suivez comme les moutons, les gars vous ont dit, fait lavage des cerveaux. Les gars vous ont dit, fait lavage des cerveaux. Vous, c'est qui vous passe dans la tête là? Comment dénigrer Alassane? Comment injurer Alassane? Comment insulter Alassane? Comment dire n'importe quoi sur Alassane? Ils ont déjà fait lavage de cerveau. Dans vos têtes, vos matières grises n'est plus mûres. C'est le tonneau vide qui est là. C'est le tonneau vide qui est là. Mais quand même. Moi, je ne pensais pas que l'Ivoirien pouvait être tonneau vide vraiment dans sa vie. Moi, quelqu'un ne peut pas diriger ma vie. C'est ça, Blanc Moto a dit. Salaire que vous lui donnez là. Il ne voudrait pas. Il dit, salaire que vous me donnez là. Si c'est à cause de ça là, arrêtez de me donner le salaire. Moi, c'est ça qu'il veut. Le salaire que vous me donnez. Puis il dit, quand je parle des biens d'Alassane, quand il sera sensibilisé la jeunesse, vous me dites non que Alassane t'a donné combien là. Si c'est qui Alassane me donne là, venez me donner triple de ça ou quoi triple de ça. Moi, je vais faire éloge de vos éloges. Des bâtards comme ça, qu'Alassane te donne combien? Que oui, comment dirais-je? C'est parce qu'il faut faire. Sinon, toi-même, tu es misérable. Sinon, toi-même, tu ne manges pas. Moi, je mange. Quelqu'un qui ne mange pas, là, il peut venir parler comme ça. Il peut avoir la force de parler. Quand vous attendez la vérité, quand vous écoutez la vérité très bien dans vos oreilles, ça vous énerve. Vous dites, lui, mais il rencontre quoi? Oh, c'est la vérité, il est en train de dire. C'est la vérité, il est en train de dire. Vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez trop mensonge. Oh, vous pensez que mensonge, ça paye. Mensonge ne paye plus. Non. Le mensonge, ça ne paye plus. Le mensonge, on piétine ça et on avance. Si vous voulez venir m'insulter sur mes vidéos, insultez-moi. Mais je vais toujours continuer à toujours passer le message pour sensibiliser la jeunesse. Moi, je suis un jeune. Je suis capable, je vais y arriver jusqu'au bout, jusqu'en 2025. On est là. Ceux qui me suivent là, eux-mêmes, je ne demande pas pour dire non que payer ma connexion. Je ne fais pas ça. Je paye ma connexion. Je viens faire mes vidéos. Ceux qui veulent écouter, écoutez. Ceux qui peuvent m'aider, venez m'aider en partageant mes vidéos dans le groupe. Pour qu'on puisse aider. La jeunesse est perdue dans la nature. C'est aide ça là, je veux. Partager mes vidéos dans le groupe. Au maximum. Parce qu'il dit, donnez-moi l'argent. Il y a besoin d'argent. Mais si il fait ça là, ils vont m'aider là, c'est fini. C'est qu'ils m'ont dit à racheter. Ils m'ont dit à acheter même. Si il a fait quelque chose, mon petit, il fait ça là. Sinon, s'il ne fait pas comme ça là. Il ne veut pas avoir l'argent. Il ne fait pas ça. La seule chose qu'il dit, tu écoutes mon message, tu sais que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il faut partager ça dans les groupes. Damaï, toi, tu as compris. Là.
si tu as mis ça dans 10 groupes là, parmi dans 10 groupes que tu as mis là, au moins là, d'abord, ça, mon message t'a touché là, ça peut toucher au moins 20 personnes ou 30 personnes à comprendre que c'est connerie des opposants qui sont en Côte d'Ivoire, opposants ivoiriens, qui sont là manipuler les Ivoiriens matin, midi, soir, en leur racontant des bêtises, ne travaillent pas avec Alassane. Dieu merci que vous ne travaillez pas avec Alassane. Sinon, s'ils voyaient des gens travailler avec, ils allaient dire non, que l'idée, ça, c'est nous, mais on a donné ça à Alassane. Alassane a fait quoi? Lui, il a quel projet? Dieu merci, vous n'avez pas travaillé avec Alassane. C'est vous, mais vous avez décidé. C'est vous, mais vous avez dit aux jeunes, ne travaillez pas avec Alassane. Mais Dieu merci, voici ce qu'il a, lui, c'est ce qu'il est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire avec son gouvernement. Dieu même en train de. Il dit, oh, non, Alassane, quoi, sérieux. Le juge, il le voit et puis il l'a arrêté. Au lieu de faire tout comme ça, même pour dire, il me séparer de lui, c'est que vraiment, ils vont prendre hache, mais ils vont prendre machette mais pour couper. Sinon, il ne peut pas le laisser. Mais je suis fort. Il dit, mais il dit, papa, donne-moi ta grâce là, il me frottait ça. Ou soit s'il me salue, si papa doit me saluer là, ma main là, il porte gants. S'il veut me laver là, il attrape, il soulève ma main comme ça, puis il me lave. Où il m'a salué là, ça a resté comme ça. Et puis ça a resté dans l'histoire. Oui. Ce gars-là, non, vraiment. Je n'ai jamais vu quelqu'un, parmi les trois présidents, là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a soulevé la Côte d'Ivoire comme ça. Malgré il voit les batailles, il dit non que oui. Et ses crédits, il a pris ses crédits. Ils ont donné Gbagbo 50 milliards. 50 milliards d'enlever leurs ordures. Les ordures, dans son propre pays, dans le vieux ordures pour aller jeter ordures. Hein. 50 milliards, Gbagbo n'a pas pu faire ça. Or, le pays était divisé en deux. Il y avait une moitié du pays. Mais il n'a rien foutu avec ces 50 milliards-là. Où c'est parti? Mais si c'était Ado, ils avaient donné là. Mais donc, même toi. Eh Dieu. Quand on vous dit ce gars-là, les technos. La famille, partagez cette vidéo-là, ça n'a qu'à arriver loin. La jeunesse ivoirienne, il est temps de vous réveiller. De vous réveiller et aussi réfléchissez. Des gens qui sont rassasiés, qui pensent à leurs femmes, comment ils vont aller, ou qui sont là, comment ils vont faire des voyages. Moi, je vais vous dire la vérité. Ceux qui sont opposants, les leaders politiciens opposants, écoutez-moi. Chaque année, on les paye. On leur donne plus de combien de millions pour que les gars puissent faire les déplacements, pour que les gars puissent s'organiser à faire des trucs. On les paye. C'est le gouvernement qui les paye. Vous comprenez? Toi, tu gagnes quoi dedans? Quand on les paye, toi, tu gagnes quoi dedans? Dis-moi, tu gagnes quoi dedans? Zéro à la base. Tu les suis comme ça, comme mouton. La famille, je vais m'arrêter là. Mais je pense que ce message-là, c'est rentré dans les oreilles des gens qui veulent mieux comprendre la vérité. Je pense que c'est mieux rentré. C'est rentré, non? Voilà. Partagez cette vidéo-là. Ça va arriver loin. Ceux qui meurent pour les politiciens bêtement, là, vous comme cela, vos places même n'est pas au paradis. Si toi, mais si on dit il y a rang seulement là, Dieu dit toi, il faut passer là, c'est pas tu es bête à cause de ça, tu es allé mourir pour un politicien. Politicien, tu ne dis pas la vérité. C'est rare, tu vas voir un politicien, tu dis la vérité. Comme Alassane là, je n'ai jamais vu ça. C'est rare. Comme Oufoué, c'est la même chose. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu as une nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez me contacter. Je vous dis à très bientôt. Ciao.